C'est bon. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui, pour le thème aujourd'hui, ben, c'est réseau de chaleur. Merci à tous les participants d'être présents. Je vais juste vous partager un premier document qui rappelle un petit peu quelques règles d'organisation. Hop là. Donc vous êtes sur le bon webinaire, pas de souci. Décarboner mes besoins énergétiques avec le réseau de chaleur. Petit préambule de départ. Donc l'événement est enregistré et la diffusion du replay sera envoyée aux différents participants. Vos micros sont naturellement coupés et vous pouvez, et je vous invite même à utiliser l'onglet questions pour interagir avec les différents intervenants, sachant qu'on répondra à toutes les questions vraiment en fin de présentation. Et tout ce qui est diffusion, enfin tous les supports qui vont vous être présentés aujourd'hui vont vous être envoyés donc à l'issue du webinaire. Un petit coup d'œil, puisque ce webinaire est organisé par Climaction, notre partenaire, qui est un programme donc, de la région Grand Est et de l'ADEME en faveur de la transition énergétique et de l'économie circulaire. Et là, vous voyez en fait les différentes équipes qui agissent au quotidien sur ces différentes thématiques, donc l'énergie, l'économie circulaire et le climat, dans toute la région Grand Est. Ce webinaire fait partie d'un grand programme qui s'appelle Noé et qui a lieu sur la région Grand Est, dont les différentes actions sont la visite énergie, qui est un diagnostic de premier niveau destiné aux industriels, de manière à réduire drastiquement les factures énergétiques et à gagner en efficacité. Vous avez aussi un programme qui est la visite énergie renouvelable. Donc c'est comme la visite énergie, sauf que là on est vraiment sur les énergies renouvelables. Donc quelle énergie renouvelable va vous correspondre le mieux? Et ça c'est fait dans le cadre d'un audit, donc entre géothermie, photovoltaïque, solaire thermique. Vous parlez aussi rapidement de la visite climat, qui est une visite sur quelle est votre vulnérabilité climatique en tant qu'industrie et comment le climat peut impacter vos productions. Visite matière et déchets, qui est une réduction des factures de déchets et d'approvisionnement. Et la visite éco-conception, qui est comment réduire votre empreinte environnementale en évaluant le process de conception et de production. Voilà. Toutes ces visites sont entièrement prises en charge, donc pour le client final, pour l'industriel, elles ne coûtent rien grâce à nos différents partenaires. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler sans plus attendre de décarbonation à travers le réseau de chaleur. Pour cela, on va aborder le thème des enjeux de la décarbonation dans l'entreprise, mais principalement les solutions réseau de chaleur avec des retours d'expérience de la société RCU. Et puis ensuite, à la fin du webinaire, on procédera aux différentes questions-réponses. Ça va être une présentation à trois voix. Donc moi, vous m'avez déjà trop entendu. Vous allez avoir Arnaud Boyer, donc directeur développement et prospective des RCUA, RCUE, et Maxime Aux, directeur des opérations au sein des mêmes structures. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Je vais tout de suite passer la main aux intervenants. Donc Arnaud Boyer. Voilà. Je vous laisse la main. Merci. Donc, je vais basculer sur la présentation. Alors j'en profite pour rappeler juste que vous avez le chat, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc on répondra à toutes les questions en fin de présentation. Voilà, donc bonjour à tous. Merci Salem. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous faire un petit tour d'horizon de ce que peut être un réseau de chaleur pour l'industrie. Une nouvelle fois, des réseaux de chaleur, il y en a autant que de contextes. Donc je vous présenterai très synthétiquement qui nous sommes, quelle est l'activité, notre activité autour des réseaux de chaleur décarbonés et quel est l'objectif, puisqu'il y en a, non pas un, mais plusieurs, de ces réseaux de chaleur, tant sur la décarbonation du mix énergétique que sur la maîtrise, des flux économiques pour les industriels.
Donc très rapidement, qui nous sommes? Donc nous sommes une société qui travaillons sur la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation de réseaux de chaleur vertueux et centrales d'énergie renouvelable. Donc systématiquement, tous nos projets s'ancrent dans une vision de décarbonation du territoire, tant pour des objets industriels, résidentiels, que pour des objets tertiaires. Donc on est vraiment sur une palette relativement large d'activités. Et on verra que grâce à du chauffage à distance, comme on peut dire des fois dans certains pays, notamment chez nos voisins suisses, on arrive à alimenter tout type de bâtiment en chaleur décarbonée. Donc notre activité, comme précisé ici, intègre aussi bien de la gestion au niveau des équipements de production. On a un bureau d'études très staffé d'une vingtaine d'ingénieurs, tant thermiciens qu'au niveau VRD, voirie, automatisme, ingénierie et pilotage de nos installations. Et puis nous pilotons et la réalisation des travaux avec des équipes de maîtrise d'œuvre également dans nos équipes. Qu'est-ce qu'un chauffage urbain ou un réseau de chaleur? La plupart d'entre vous le savent peut-être déjà, mais c'est toujours bon de faire un petit rappel. Donc vous retrouvez en fait une centrale de production distante des différents bâtiments que vous allez alimenter, bâtiments de tout type, hein, une nouvelle fois, industriels, bâtiments publics, bureaux ou résidentiels. Et ensuite, vous véhiculez de la chaleur via des réseaux. Ces réseaux, en grande partie dorénavant, sont en eau chaude, en boucle fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déperdition d'eau, hein, c'est vraiment un fluide qui circule dans un sens, qui délivre des calories au niveau des différents bâtiments usagés. Et ensuite, cette eau revient un petit peu moins chaude au niveau de la centrale de production qui réchauffe à nouveau cette eau en cycle fermé pour justement avoir un réseau de chaleur en lui-même qui vienne alimenter différents bâtiments. Donc les bâtiments alimentés ne contiennent bien souvent plus d'équipements de chaufferie, plus de cheminées, plus de centrales de production. C'est uniquement ce que l'on appelle une sous-station, un point de livraison de calories qui vient se substituer à la chaufferie usuellement connue, et ça permet donc d'avoir un point de distribution distant des bâtiments usagés, distant parfois de plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres. On va l'illustrer tout à l'heure. Qui sommes-nous toujours? Donc nous, au niveau réseau RCU, réseau de chaleur urbain, on a deux filiales, réseau de chaleur urbain d'Alsace, qui œuvre essentiellement, on va dire, dans le Bas-Rhin et sur Mulhouse-Alsace agglomération. RCE, réseau de chaleur urbain de l'Est, qui est réparti un petit peu plus partout dans l'Est, voire même au niveau national. Filiale de deux maisons mères, réseau GDS, une société d'économie mixte détenue en majorité par la ville de Strasbourg, et une coopérative suisse, Primeo Energy, toutes deux œuvrant historiquement dans le domaine des énergies et notamment des énergies renouvelables. Quelques chiffres, bon, je ne rentre pas dans le détail, hein. À date, on a une trentaine de réseaux de chaleur en Alsace. Tous décarbonés, minima 70-80% d'énergie renouvelable, et ça peut monter, l'objectif pour tous, hein, 100% d'énergie décarbonée. On alimente environ 80 000 logements pour 140 km de réseau. Multi-technologie, multi-type d'énergie, puisqu'on travaille aussi bien sur des principes de pompe à chaleur, centrale biomasse, cogénération biomasse, récupération de chaleur fatale auprès d'industriels. On y viendra, c'est un des focus de cette présentation. Voilà, vraiment multi-énergie du moment qu'il y a de l'énergie décarbonée, solaire bien sûr. On pourra aborder ces points-là. Notre focus, c'est notamment de travailler essentiellement sur de l'innovation. C'est ce qui nous différencie un petit peu de grandes multinationales qui sont également sur le même domaine. On a notamment créé des filières très locales d'approvisionnement en rafle de maïs pour nos différentes centrales de combustion, où on récupère de la rafle qui est en CRIPS, à la base récoltée par les agriculteurs du 67 et du 68. Beaucoup de récupération d'énergie fatale, aussi bien à petite échelle, là on voit une illustration sur la deuxième photo, sur notre cogénération de Saint-Louis, où de la chaleur basse température à 30 degrés vient sécher des caissons qui eux-mêmes sont approvisionnés en bûches forestières. Donc c'est ensuite des éléments que vous retrouvez au niveau de stations-service ou de supermarchés sur du bois très sec pour alimenter les cheminées ou les barbecues. Donc ça permet vraiment de valoriser de la chaleur fatale issue de centrales thermiques. Mais bien sûr, on y viendra de manière beaucoup plus massive et à plus haute température de la récupération de chaleur fatale industrielle
qui elle-même vient alimenter directement certains de nos réseaux de chaleur urbains. On a été novateur sur différents secteurs d'activité. Première société en France à injecter du biométhane à partir de stations d'épuration. On travaille également sur de l'intelligence artificielle pour gagner quelques pourcentages encore sur le taux de chaleur décarbonée de nos réseaux. Donc voilà, c'est quelques exemples en fait, mais qui illustrent bien la volonté qu'on a d'innover pour toujours aller vers plus d'efficacité énergétique, de maîtrise des coûts énergétiques et de verdissement de nos réseaux de chaleur. Cette présentation va être essentiellement basée sur l'évolution d'un réseau, le réseau Eco2Backend. Donc, pour certains qui connaissent un petit peu la ville de Strasbourg, c'est le réseau qui dessert le quartier européen de Strasbourg, qui va notamment de la place d'Agno jusqu'à la place de Bordeaux. Donc, globalement, géographiquement, c'est le nord-ouest de Strasbourg. C'est un quartier essentiellement tertiaire qui est desservi, mais avec des activités également un petit peu plus industrielles, pas tellement, on y viendra par la suite, c'est plus le port autonome de Strasbourg qui est alimenté à l'heure actuelle via, sur ce secteur-là, mais des activités résidentielles un petit peu également. Donc quel est ce réseau de chaleur? Je vais passer la main à Maxime Oxt, qui a été le concepteur de ce réseau et qui va vous illustrer un petit peu ça. Donc le réseau de chaleur, oui, le réseau de chaleur du Wacken, c'est une délégation de service public. Donc c'est un service qui est délégué par la ville de Strasbourg à une entreprise qu'on a nommée Eco2Wacken et qui est pilotée par RCUA. Sur ce réseau-là, en fait, on a été lauréat du contrat en 2014 et la première mise en service d'installation, qui est la chaufferie biomasse que vous voyez en photo au milieu de la slide, s'est faite en 2016. Donc on parle de 1 an et demi, 2 ans de travaux. On est sur un investissement initial de 12 millions qui a maintenant quasiment doublé avec la densification et l'extension du réseau qui s'est fait. Et on est sur une solution initiale qui était l'installation de 2 chaudières biomasse, une qui brûlait de la raffe de maïs, donc l'épi qui reste une fois qu'on a enlevé le grain du maïs, et l'autre de la plaquette forestière. À cela s'ajoutent des chaudières gaz en appoint secours. Des chaudières, le principe d'un réseau de chaleur, c'est qu'on a potentiellement plusieurs chaufferies pour secourir en fait les clients en cas de rupture d'une canalisation ou d'incident sur l'une des 2 chaufferies, la notamment. Et donc on a une autre chaufferie déportée au gaz. Initialement, on livrait 35 gigawattheures de chaleur, 35 000 mégawattheures, avec un taux ENR garanti auprès de la collectivité de 87%. On est sur un réseau qui faisait 7 km. En fait, tous ces chiffres ont doublé, donc en 8 ans maintenant, de par le développement du réseau et l'import d'énergie fatale qu'on verra plus tard dans la présentation qui se fait depuis le port autonome. On avait 24 sous-stations initialement, on en est à 48 maintenant, et on a quelques concepts innovants là-bas qu'on a testés dès 2016, qui étaient de fonctionner avec des chaufferies, l'une opposée à l'autre sur le réseau, donc elles sont distantes de 6 ou 7 km, et elles fonctionnent simultanément avec toute l'intelligence qu'on a mis dedans sur le pilotage et la régulation. Et en parallèle, on a également installé là-bas un ballon de stockage d'eau chaude de 100 000 m3, 100 000 litres, pardon, 100 m3, qui était à l'époque déjà un gros stockage, mais qui pour nous, à l'heure actuelle, représente peu au vu des enjeux énergétiques qu'on a sur le territoire. Ce ballon, voilà, est plus utilisé en termes de pilotage d'installation à date qu'en termes de stockage, puisque le réseau de chaleur en lui-même contient quasiment 7 fois plus d'eau que ce ballon de stockage. Donc finalement, le premier stockage d'un réseau de chaleur, c'est le réseau en lui-même en termes de volume d'eau. Et comme pour illustrer ce qu'Arnaud disait, on voit une petite photo de ce que à quoi représente. Que représente, pardon, un réseau lorsqu'on le pose, on voit les 2 tubes en fait dans une tranchée. Ça, vous ne voyez plus une fois que les travaux sont terminés, puisqu'on referme finalement les ruelles identiques. Mais c'est toute une logistique et tout un travail d'étude parce qu'il faut réussir à poser des tubes de ce diamètre-là. Là, c'est du diamètre 500 par tube. Donc, on parle de tranchées de 2 mètres de large qu'il faut ouvrir en fait dans des zones urbaines ou vraiment très denses en plein centre de Strasbourg, ce qui est très complexe en termes de gestion de flux routiers, de commerçants, de riverains. Pour donner un exemple, voilà, de ce que disait Maxime, on travaille effectivement dans le cadre de certaines délégations de services publics sur des milieux urbains très denses. De par ailleurs, on travaille également sur des fois des conceptions d'écoquartiers où on est sur des zones à aménager qui sont parfois beaucoup plus faciles en termes de poste de VRD et de réseau de chaleur. Donc voilà, on rencontre un petit peu tous les cas de figure. Des fois des solutions assez simples de mise en œuvre et des fois en plein milieu urbain des solutions un petit peu plus complexes. Maxime le précisait, donc un réseau très fortement décarboné, initialement basé à 87% de consommation de biomasse et 13% d'appoint de gaz naturel. Pourquoi on n'est pas sur du 100% énergie renouvelable? Tout simplement parce qu'on est sur des profils de consommation qui sont relativement climatiques.
Donc, ce qui veut dire qu'on consomme beaucoup plus en hiver que ce qu'on peut consommer en été. Hein. Ça peut se comprendre au niveau de bâtiments tertiaires ou de bâtiments résidentiels notamment. Et donc, par rapport à ça, d'installer une pleine puissance d'énergie renouvelable en biomasse, en l'occurrence sur ce quartier-là, aurait fait surinvestir de l'ordre de 3 fois l'investissement initial pour finalement une couverture des pics en plein hiver qui demeure de plus en plus ponctuelle. Donc on en arrive à avoir des fois assez peu de température en dessous de zéro par les temps qui courent, avec notamment le réchauffement climatique. Et de fait, sur un point de vue vraiment équilibre technico-économique, il est bien souvent plus pertinent d'avoir une quote-part de gaz naturel qui finalement représente assez peu dans le mix global énergétique, hein, ici de l'ordre de 13%, mais qui viennent justement couvrir ces besoins de plus en plus ponctuels de pics hivernaux. Sachant que la très grande majorité des besoins, et notamment la totalité des besoins estivaux, sont couverts par de l'énergie renouvelable. Au niveau de l'approvisionnement en biomasse de ce réseau, on est sur un approvisionnement très local, puisque globalement, on est sur moins de 90 km d'approvisionnement, donc essentiellement des forêts vosgiennes, hein, un petit peu de forêts de la région de Niederbronn, et pour le reste, c'est des forêts vosgiennes un petit peu plus centre-Alsace. Qui desservent en fait cette installation-là. On ne va pas en Allemagne, on est resté vraiment sur un sujet français en termes d'approvisionnement pour plusieurs raisons, notamment des raisons un petit peu philosophiques, de faire travailler les forestiers de nos régions. Et également, on l'a pu le voir pendant la période Covid. Alors, ça n'avait pas du tout été anticipé de notre part, hein, mais quand les frontières ont été fermées avec l'Allemagne sur différents flux, on a certains confrères qui ont été un petit peu embêtés pour faire venir leurs camions de biomasse d'Allemagne, et le marché français ne pouvait pas forcément répondre à ces attentes-là au pied levé. Donc nous, on était bien contents d'avoir nos ressources locales avec nos partenaires locaux qui continuaient à pouvoir nous alimenter. Pilotage, on a beaucoup de. C'est un des enjeux en fait des réseaux de chaleur à l'heure actuelle. Très clairement, on n'est plus du tout sur des fonctionnements d'installation tels qu'elles étaient il y a de ça 10 ou 20 ans. On est vraiment sur du fonctionnement en temps réel. Toutes nos installations sont interconnectées entre les sous-stations, les centrales de production par de la fibre optique. On a accès à distance avec n'importe quel smartphone, tablette ou PC à l'ensemble des données en temps réel de nos installations pour pouvoir aussi bien faire des analyses énergétiques que du pilotage en temps réel des installations, faire des levées de doute des fois sur différents défauts. Et venir optimiser en temps réel le fonctionnement, ce qui nous permet une nouvelle fois de gagner quelques pourcents d'énergie renouvelable au niveau de nos réseaux de chaleur. Donc là, c'est vraiment des solutions qui sont développées en propre par nos services, nos automaticiens et nos informaticiens, afin de s'adapter vraiment au développement de nos installations qui ne cessent de s'interfacer et de croître. Communication, c'est un point important également. Moi, je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien ce sujet. Dès qu'il s'agit de porter un projet de développement, et notamment au niveau des énergies renouvelables, il s'agit d'intégrer beaucoup de communication en amont des projets pour l'acceptabilité. Pendant les projets, Maxime vous l'a présenté, puis on l'illustrera encore un petit peu tout à l'heure, hein, c'est vraiment des travaux lourds de mise en œuvre. Donc il s'agit d'ouvrir des routes, il s'agit de bloquer certaines routes à la circulation et d'optimiser certains flux pendant les travaux. Donc par rapport à ça, il faut beaucoup communiquer pendant les travaux, informer pourquoi, comment, combien de temps et quels sont les enjeux vraiment de tels projets. Et également, communiquer après, c'est un des enjeux. Pour expliquer ce qui s'est bien passé, ce qui pourra être mieux fait la prochaine fois et tous les enjeux de tels projets au niveau du territoire. Un des sujets qui nous revient beaucoup, hein, on a certains projets qui sont basés sur des centrales biomasse à cogénération ou juste combustion pure. C'est en fait, oui, la biomasse, c'est bien, ça décarbone peut-être, mais ça pollue, ça émet des particules fines. Alors là-dessus, nous, on souhaite systématiquement apporter un petit point d'éclairage. Donc c'est vrai que sur le principe de la biomasse, vous brûlez du bois dans votre jardin, dans un champ ou dans une cheminée à foyer ouvert. Oui, ça émet de la particule fine, ça ne faut pas le nier, c'est un fait. Par contre, ce que l'on constate, c'est du moment où on a des systèmes de filtration de fumée, on arrive à avoir des performances environnementales très 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 poussées. À titre d'exemple, la centrale du Wacken que l'on est en train de vous présenter, qui alimente l'équivalent à date de quasiment 8 000 logements sur le territoire,
en substitution de chaufferie fuel, de chaufferie gaz ou de tout autre combustible qui peut alimenter à la base les différents équipements. Cette chaufferie, cette centrale du Wacken n'émet pas plus que trois foyers ouverts ou trois barbecues, si vous voulez, de particules fines à l'atmosphère. Donc c'est vraiment grâce à la filtration. Ici, on est essentiellement basé sur des filtres à manche, mais on a d'autres technologies sur d'autres installations de filtration. On est vraiment sur des émissions très 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 réduites qui viennent se substituer à des technologies beaucoup plus émissives qu'on a remplacées. Je prends un exemple, on a remplacé notamment au niveau du lycée Kléber des centrales fuel pour plusieurs mégawatts de puissance. Et grâce à la technologie, une nouvelle fois, de notre centrale biomasse à côté, la qualité de l'air en a été grandement améliorée. Donc tout ça pour dire que oui, c'est vrai, la biomasse peut émettre des particules fines à l'atmosphère si elle est non filtrée. Par contre, du moment qu'elle rentre dans un process de performance énergétique, de maîtrise de la combustion et de filtration des fumées, on est sur quelque chose, non pas qui ramène à zéro, mais à quasiment zéro en tout cas, de par la maîtrise des flux. Ouais, d'un point de vue environnemental, on l'a déjà dit, on le redit, 87% de biomasse. Par contre, ce qui est intéressant aussi pour principalement les gens ou les aménageurs ou les promoteurs ou les bâtiments qui vont se construire, c'est qu'en fait, on certifie les contenus CO2 de nos réseaux. On avait fait une étude avant la mise en service du réseau où on pensait être sur 59 grammes de CO2 par kilowattheure. À noter que le gaz, c'est 234 grammes de CO2 émis par kilowattheure produit. Et finalement, le réseau du Wacken est remesuré chaque année et a été validé encore récemment à moins de 50 grammes, donc à 45 grammes de CO2 par kilowattheure. Sachant qu'on va y venir, de par le mix énergétique qui évolue à l'heure actuelle de par nos réseaux, la biomasse n'est plus le seul combustible, mais on a maintenant un interfaçage avec un réseau qui alimente le quartier du Wacken en chaleur de récupération industrielle. On est en train de faire baisser drastiquement ce contenu CO2 qui va progressivement atteindre les zéros, probablement pas, mais en tout cas se rapprocher des 10 grammes de CO2 par kilowattheure au fur et à mesure où on trouve des solutions pour décarboner de plus en plus ce mix énergétique. Peut-être un petit complément aussi, parmi les clients, en fait, ce qu'on voulait noter, c'est qu'on peut alimenter tout type de clients. On peut faire de l'eau chaude sanitaire, on peut faire du chauffage de locaux, on fait le chauffage des bassins des piscines de l'Eurométropole, on arrive à chauffer des hôpitaux avec un régime de température, en fait, tel qu'on l'a, qui tourne autour de 95 ou 90 degrés, on reste sur de l'eau chaude. On arrive en fait à alimenter tout ou partie même de process industriels. On le verra un peu plus tard dans la présentation AirPass. Et en tout cas, tous les usages qu'on peut retrouver sur une ville sont potentiellement alimentables avec un réseau de chaleur. Au niveau des périmètres, donc là peut-être ça parlera pour certains d'entre vous, on reconnaît assez bien le Parlement européen qui est le petit rond, on va dire, à droite de l'image. La partie verte, c'est le périmètre de délégation de service public initial qui avait été soumis par l'Eurométropole de Strasbourg à l'ensemble des candidats souhaitant réaliser ce réseau de chaleur. Donc initialement, on s'est attaché à développer le réseau sur la quasi-totalité de ce périmètre-là et de venir progressivement densifier ce secteur en chaleur décarbonée. Progressivement, on a vu que ce réseau a été assez rapidement victime de son succès, et puis tant mieux pour nous, hein, ça prouve qu'on a bien fait notre travail sur cet objet-là. Le prix à l'usager et la teneur de carbone du réseau ont fait qu'on a atteint en 3 ans l'objectif de développement commercial que l'on s'était fixé sur la totalité de la délégation de services publics, donc sur une vingtaine d'années globalement. Et pourtant, les demandes continuaient à arriver. Les gens nous disaient, ah ben moi j'aimerais bien bénéficier dans mon nouveau programme de cette chaleur-là. Même des gens qui étaient en limite de périmètre de ce périmètre vert, mais en dehors, disaient, ah ben c'est dommage, mais on aimerait bien également être raccordé. Donc par rapport à ça, on a vécu un peu une problématique, c'est que les installations de production de chaleur décarbonée, donc les centrales biomasse qu'on vous a présentées rapidement tout à l'heure, arrivaient en limite de leur capacité de production. Donc dans ce cadre-là, on a rencontré l'autorité délégante, l'Eurométropole de Strasbourg, en leur disant comment on peut faire pour répondre aux attentes du territoire, continuer à décarboner les différents usages au niveau du territoire, en premièrement ayant plus de chaleur à fournir de manière décarbonée, mais également en potentiellement pouvant alimenter un périmètre un petit peu plus large que celui qui nous était premièrement dévolu. Donc cette discussion a mené à plusieurs choses. Premièrement, c'est l'établissement de différents secteurs complémentaires pouvant être alimentés par le réseau du Wacken.
Donc sur la partie en haut à gauche, en rose, vous retrouvez en fait tout le secteur de Schiltigheim Sud qui s'étend globalement, pour ceux qui connaissent un petit peu la zone, de la Fischerstube et qui remonte quasiment jusqu'à la mairie de Schiltigheim. On retrouve en bleu ce qu'on appelle nous le secteur Arte, ça porte assez bien son nom, qui inclut des bâtiments notamment de l'armée, les bâtiments donc de Arte, et puis également pas mal de copropriétés de taille assez conséquente. Le secteur rouge, c'est tout le secteur du parc de l'Orangerie, avec notamment des serres, avec le pavillon Joséphine, avec un bowling en phase de restructuration et différents bâtiments municipaux. Et le secteur orange, c'est le secteur Robertsau Sud, qui inclut notamment des bâtiments du Crous, un collège et un lycée international, et puis différents projets d'aménagement sur le secteur. Donc ça, en fait, c'est le secteur qui nous a été confié, complémentaire par l'Eurométropole, pour effectuer de l'export de chaleur à partir du réseau du Wacken. Ça répondait à un des besoins, de dire on va continuer à étendre ce réseau-là et le densifier. Le deuxième sujet était comment, par quelle énergie on va réussir à continuer le développement de ce réseau. Et ça, c'est la suite de la présentation avec le projet AirPass, la récupération de chaleur sur les industriels de la bande rhénane du port autonome de Strasbourg. Donc effectivement, comme Arnaud le disait, on était arrivé à un plafond de développement des Côtes de Wacken en termes d'énergie renouvelable. Et de l'autre côté, en fait, on a créé un partenariat avec le port autonome de Strasbourg depuis 2016, qui consistait à aller voir les industriels de la bande portuaire et voir s'il y a des synergies qui pouvaient s'établir entre les industriels et les réseaux de chaleur voisins. Avant cela, en 2017, on a aménagé un autre réseau de chaleur qui est la petite poche orange qu'on voit au centre de la carte, qu'on a appelé le réseau de la SPL des Deux Rives, notamment pour alimenter la friche industrielle de la COP Alsace, qui est en cours de réhabilitation depuis quelques années et qui avait décidé de faire des solutions à l'échelle des bâtiments. On a proposé à cette époque de créer une chaufferie collective et de liaisonner en fait cette zone centrale pour, à terme, c'était en 2021, raccorder finalement la zone sud port autonome et la zone éco de Wacken, comme on le voit un peu sur cette carte. On va rentrer un peu plus dans le détail dans les slides suivantes sur pourquoi le partenariat, qui sont les industriels. Peut-être juste pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le port autonome de Strasbourg, donc Strasbourg, en fait, est constitué, donc là vous voyez le Rhin, hein, en partie centrale, qui est la frontière avec la ville de Kiel et l'Allemagne, en fait, sur toute la bande rhénane, donc la limite du Rhin, de la partie strasbourgeoise, Strasbourg est dotée d'environ 300 industriels de tout type, de l'industrie lourde, de l'industrie, on va dire, manufacturée, on a également de la logistique, on a de l'incinération de déchets, on a vraiment un panel assez large d'activités industrielles sur le secteur, mais qui comprend globalement plus de 300 industriels et qui sont régis au niveau de l'emprise foncière par le port autonome de Strasbourg. Et en fait, c'est dans ce cadre-là, comme le précisait Maxime, on a souhaité, en partenariat avec le port, lancer des réflexions autour de synergies industrielles qui pourraient y avoir entre différents industriels ou entre industriels et réseaux de chauffage urbain pour mieux valoriser de la chaleur résiduelle qu'il pourrait y avoir au niveau de différents acteurs de cette plateforme industrielle. Et Blue Paper, qu'on présente ici, mais on vous citera d'autres exemples de par la suite, a été le premier à s'interfacer dans cette démarche-là. Donc Maxime parlait tout à l'heure du réseau COP, qui est venu un petit peu en avance de phase par rapport à ça, parce que bien souvent, une des problématiques des réseaux de chaleur, c'est qu'ils mettent un temps de mise en œuvre relativement conséquent. Vous avez pu voir, c'est des travaux d'études et puis des travaux de mise en œuvre qui sont quand même assez complexes, assez lourds, assez onéreux également. Et par rapport à ça, il s'agit de pouvoir interfacer les besoins des uns avec les capacités de production des autres et le phasage temporel de la mise en œuvre de tel projet. Donc en fait, là, très clairement, on avait un petit problème puisqu'on avait un projet, le projet COP porté par la SPL des Deux Rives, qui était un projet d'aménager un millier de logements en fait sur ce secteur-là, qui nous disait moi j'ai besoin de chaleur d'ici moins d'un an, et puis j'ai tous mes dépôts de permis construire qui sont à arriver d'ici 3 à 6 mois. Vous, j'entends que votre réseau a une perspective d'arriver d'ici 2 3 ans, mais voilà, ça colle pas avec notre planning. Donc il a fallu trouver des solutions transitoires. Donc en fait, ce qu'on a défini avec l'aménageur, c'est la création d'une artère de distribution sur l'ensemble de ce réseau COP, qui a été financé par RCUA,
avec, dans un premier temps, la création d'une centrale thermique alimentant ce réseau en gaz biométhane. Donc, en fait, c'est du biométhane issu de la station d'épuration voisine à 5 km de ce réseau de chaleur-là. Et en fait, c'est ce biométhane-là qui a alimenté la centrale gaz pendant les 2, 3 ans qui ont été nécessaires à faire émerger le projet de récupération de chaleur auprès de l'industriel Blue Pepper et cette interconnexion avec l'industriel qui permet à date de ne plus avoir du tout de chauffage gaz ou biométhane sur ce secteur-là, mais vraiment 100% d'alimentation à partir de chaleur décarbonée. L'alimentation de la clinique Réna, qui est une grosse clinique également sur la bande rénale, s'est faite dans la même temporalité et sur le même principe. Dans un premier temps, on les a alimentés en biométhane issu de la station d'épuration de Strasbourg. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire 2 à 3 ans après, on les a interfacés avec la récupération de chaleur des industriels de la bande rénale. Airpass, donc c'est un logo que vous avez vu apparaître tout à l'heure. En fait, c'est une société qui a été conçue spécifiquement pour le portage de ces projets et des investissements liés à la récupération et la valorisation de chaleur fatale des industriels de la bande rhénane. Donc, on voit récupérer la chaleur, c'est une chose sur les sites industriels. Ça engendre plusieurs questions, des questions techniques sur des niveaux de température, des questions sur des puissances disponibles, des questions sur des temporalités disponibles. C'est pas parce que vous avez de la chaleur présente, je donne un exemple en été, que vous allez forcément pouvoir la valoriser, alors que les besoins sont des fois en hiver. C'est pas parce que vous avez des fois des gisements qui sont identifiés à tant de gigawattheures qu'ils sont facilement récupérables ou facilement distribuables, parce que des fois ils sont éparses en différents endroits d'un site industriel et c'est très complexe ou et très onéreux de les récupérer. Donc, il faut vraiment réfléchir en simultané quelle puissance, quelle température, quel phasage, quelle temporalité, quelle continuité de service et comment, en fonction de cette chaleur de récupération, vous arrivez à alimenter d'autres industriels, d'autres quartiers résidentiels, d'autres bâtiments tertiaires en leur garantissant de l'autre côté une continuité de service 24 heures sur 24, 365 jours par an. Vous imaginez bien, je citais tout à l'heure la clinique Réna à Strasbourg, qu'on ne va pas dire à la clinique, ah ben Blue Pepper a son arrêt annuel ou a une rupture de service qui n'était pas prévue, on arrête de vous alimenter. C'est juste inenvisageable. Donc il s'agit de notre côté de venir faire le lien et le tampon, si je puis m'exprimer ainsi, entre contraindre le moins possible les industriels d'un côté pour la valorisation de leur énergie, et par contre aux différents usagers que l'on dessert, qu'ils soient une nouvelle fois industriels, tertiaires ou résidentiels, garantir une continuité de service. Donc ça, on l'opère par notamment du foisonnement. Plus on aura de sites industriels, plus on a de chances de pouvoir couvrir les besoins à tout moment par du foisonnement de récupération de chaleur. Mais on a systématiquement également des installations d'appoint secours qui sont disponibles, qui peuvent démarrer à tout moment pour venir se substituer à une défaillance de telle ou telle production de chaleur et garantir, in fine, pour tous les usagers des différents réseaux, une continuité de service 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, pour en finir peut-être avec AirPass sur l'aspect purement administratif, donc cette société de projet qui a été, enfin, pas une société de projet, société qui a été créée, c'est une SAS, la Société pour Action Simplifiée, qui a été créée pour porter ces projets-là, est détenue à 82% par RCEA, l'énergéticien, 10% le port autonome de Strasbourg, sur lequel le territoire sur lequel on œuvre, et également 8% la Banque des Territoires qui a souhaité rejoindre l'aventure. Chaleur fatale, on a parlé un petit peu depuis tout à l'heure, ou chaleur de récupération, c'est deux mots qui ont le même sens. Qu'est-ce que c'est globalement? Là, c'est la description que donne l'ADEME, notamment de cette chaleur. Globalement, si on c'est les slides, les traits verts que l'on retrouve tout en bas, c'est des chaleurs qui ne sont pas utilisables sur site, qui ont faculté néanmoins, en sortie de process industriel, à venir avoir une seconde vie. Seconde vie par un réusage pour du chauffage de locaux, par du chauffage de process industriels, bien souvent à des niveaux de température moindres que les process initiaux, qui sont parfois des process vapeur, parfois des process eau surchauffée, sur de la cuisson, sur du séchage, sur de la fonte de matériaux. Voilà, on peut avoir tout type d'activité qui a besoin de chaleur à haut niveau de température. Et ensuite, ben, on va le voir tout à l'heure, il y a de la fumée qui est véhiculée en sortie de process,
il y a des boucles de refroidissement qui existent sur certains industriels, ben, une partie de notre activité est de permettre cette revalorisation de cette chaleur, et plutôt que d'utiliser des aérothermes ou d'envoyer la fumée directement à l'atmosphère aux petits oiseaux, ben, autant donner une seconde vie à ces calories et un deuxième usage qui permet d'avoir une nouvelle fois une boucle vertueuse, tant sur l'aspect énergétique que sur l'aspect environnemental, et bien sûr sur l'aspect vertu au niveau de renforcer l'implantation locale du tissu industriel sur nos différents bassins territoriaux. Donc, slide d'après, hop là, j'en ai passé deux, je reviens juste en arrière. Voilà, je laisse Maxime développer cette partie technique. Du coup, le premier exemple qu'on ait de récupération d'énergie fatale sur un site industriel, en fait, c'est le partenariat qu'on a mené entre Airpass et Blue Paper. Donc, Blue Paper, c'est anciennement Strass et l'UPM, un papetier qui est installé au port du Rhin, qui fait du carton à partir de nos poubelles jaunes et du carton de pas mal d'industriels. Et en fait, sur le site, ils ont pas mal d'installations de production d'énergie déjà renouvelable, notamment une cogénération biomasse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2016, on a commencé à discuter avec eux sur quelles étaient les sources de récupération, les gisements d'énergie fatale, pardon, sur le site. Quels étaient leurs besoins? Parce qu'en fait, on le répète souvent aux industriels, si l'énergie, ils peuvent l'autoconsommer ou l'utiliser sur site, c'est toujours plus vertueux et plus facile que de l'exporter vers un réseau de chaleur. Malgré ça, il y a bien souvent. Ouais, pardon. Malgré ça, il y a bien souvent en fait des incompatibilités. Les gisements d'énergie fatale sont souvent des températures qui ne sont pas en adéquation en fait avec le process de l'industriel en lui-même. Là, notamment chez Blue Paper, on est sur un process qui utilise de la vapeur. Ils ont une cogénération et une installation CSR. Et en fait, les gisements d'énergie fatale sont plutôt récupérables en eau chaude. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a étudié tous ces sujets-là, main dans la main avec eux. On a créé des solutions de récupération. Et la chance qu'on avait, c'est ce qu'Arnaud dit, l'anticipation qu'on a eue, c'est que on a des réseaux de chaleur qui sont demandeurs à proximité de ce site industriel. En fait, il faut toujours qu'on ait un gisement et un exutoire. Sans exutoire, en fait, on ne sait rien faire du gisement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place une solution de récupération sur les fumées de leur cogénération biomasse. Donc, c'est des fumées comme des fumées d'une chaudière que vous pourriez avoir sur un site industriel. C'est la cheminée qui fait plus de 60 mètres de haut qu'on voit un peu partout au port du Rhin. Et sur cette cheminée-là, en fait, on est venu installer un système qui permet de récupérer la chaleur fatale, à la fois avec un premier niveau qui nous permet de récupérer de la chaleur à plus de 100 degrés, qui s'appelle un économiseur. Donc, c'est de la chaleur directement récupérée dans les fumées. Et un deuxième niveau, avec un condenseur dans les fumées qui nous permet de récupérer de la chaleur à plus basse température, autour de 50 degrés. Or, ce 50 degrés n'étant pas valorisable directement vers le réseau, on a mis en place une pompe à chaleur. C'est les photos que vous voyez juste en dessous, une pompe à chaleur de 6 000 kW, qui permet en fait de rehausser la température et d'adapter finalement le gisement d'énergie fatale à l'usage final qu'on en a, nous, sur le réseau de chaleur. Quelques photos qui permettent d'illustrer ce qu'on a comme installation de réseau de chaleur. Donc, c'est différents tronçons, mais pour dire, on sait passer un réseau un peu près partout, sous des voies ferrées, sur des ponts, dans des rues, sous des talus. Donc, ça, c'est des poses qui ont eu lieu au port autonome. Et sur la photo suivante, je crois qu'on a un passage de pont qui passe au-dessus du canal au niveau de l'église orthodoxe de Strasbourg et aussi des travaux de nuit. Notamment quand on passe devant la clinique Réna, c'est l'accès principal à la clinique, c'est l'accès pour aller pour les frontaliers qui ont travaillé à Kiel. Donc là, on ne pouvait pas se permettre de couper la circulation de jour. Donc en fait, on a fait une nuit où on a coupé certaines voies de circulation hors ambulance pour permettre en fait la pose du réseau et le raccordement de la clinique notamment. On avait systématiquement une grue à proximité du chantier avec des plaques d'acier pour permettre justement, s'il devait y avoir une urgence, de laisser passer les véhicules qui le nécessitaient. Donc voilà, c'est des travaux qui nécessitent beaucoup de concertation en amont pour voir quand, comment et quel phasage de chantier il y avait. Ça, c'est des photos sur le site industriel du Paper. Donc, on voit bien la cheminée. En fait, on a à la fois installé des équipements de récupération, mais on a aussi dû adapter le process industriel à cette récupération. En fait, souvent, quand on récupère de l'énergie, ça peut modifier le process. Et du coup, on l'étudie avec les industriels parce que c'est là la clé du projet, c'est de ne pas avoir d'impact sur la production première de l'industriel ou sur son process. Finalement, la récupération d'énergie, c'est une activité secondaire pour eux qui est plutôt vertueuse qu'autre chose. Donc, on voit le retubage de la cheminée et on voit là, hein, sur ces photos-là, l'équipement de récupération sur la photo de gauche, qui est donc un équipement éco-condenseur, on appelle ça, qui permet de récupérer à la fois de la chaleur haute température et basse température. Et on est sur un gisement de plus de 100 gigawattheures sur cette cheminée-là qu'on récupère grâce à cet équipement-là.
100 gigawattheures, pour vous donner un ordre de grandeur, alors peut-être que pour certains d'entre vous, assez technique, ça va parler, pour d'autres peut-être un peu moins, c'est l'équivalent de l'alimentation d'environ 20 000 logements neufs, donc qui consommeraient environ 5 mégawattheures par an. Donc voilà, ça donne un ordre de grandeur, que c'est des situations en fait non neutres hein, au niveau énergétique, c'est des gros volumes. On en a sur à plus petite échelle également, hein, mais on peut aller sur des objets à de gros volumes. Et en fait, l'intérêt du réseau de chaleur, c'est qu'on a rarement un exutoire à proximité d'un tel site qui va consommer lui-même 100 gigawattheures. Donc l'intérêt du réseau de chaleur, c'est de pouvoir véhiculer sur des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres, puisque le point le plus distant que je vous ai cité tout à l'heure d'interconnexion de cette chaleur avec l'usage, c'est quasiment la mairie de Schiltigheim, où on a une dizaine de kilomètres entre l'industriel Blue Paper et le point d'usage ultime. Donc par rapport à ça, bah, sur ces 10 km, on a aussi bien des usages tertiaires résidentiels qu'industriels notamment, puisqu'on alimente les malteries, En maximum fait, on par leur. alimente à la fois des établissements tertiaires, la clinique, des écoles, le conservatoire des musées, la l'union sociale à la COP, des bureaux de coworking, le Kaleidoscope. On alimente des copropriétés de privées avec leur syndic qui font le choix de se raccorder lors d'assemblées générales. Et on raccorde aussi des bailleurs sociaux. Et sur ce périmètre-là, bah, vu qu'on a des industriels à proximité, on a trouvé des synergies où finalement, bah, les malteries soufflées notamment, les moulins Advance par le passé aussi, se raccordent au réseau de chaleur et finalement arrivent à substituer une partie du gaz sur leur process par l'énergie fatale. Souvent, en fin de cycle, ce n'est pas la totalité. Donc, on va venir un peu comme une base pour effacer un bandeau de consommation de gaz et ils vont garder leurs équipements en appoint, en secours, en fonction de leurs besoins. S'ils ont besoin de faire du 120 degrés, bah, nous, ça, on ne sait pas faire avec ce réseau-là. Par contre, on sait leur monter la température jusqu'à 95, jusqu'à 100 degrés et ils vont faire le delta avec leurs équipements qu'ils avaient déjà en place. Peut-être pour anticiper, j'ai vu passer une question là-dessus, et puis on répondra aux autres juste après, hein. Mais pour anticiper une question, quel est l'intérêt d'un industriel de se raccorder à ce type de réseau-là? En fait, il est multiple. Le premier intérêt, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est le nerf de la guerre, c'est économique. En fait, très clairement, économiquement, il y a une compétitivité à ce type d'énergie. Il y a également une réelle stabilité. Quand c'est un outil anti-crise, en fait, un réseau de chaleur décarboné, de par le fait où notre chaleur véhiculée est en très très grande majorité décorrélée du prix des énergies sur les marchés, que ce soit du gaz, que ce soit de l'électricité. On a un tout petit peu d'électricité parce qu'il nous faut bien des pompes pour véhiculer la chaleur d'un point A à un point B, hein. Mais de loin, c'est pas du tout la partie majeure de la valorisation de cette chaleur-là. Donc très clairement, il y a une compétitivité à la base, il y a une stabilité des prix dans le temps, et également, bah, ça contribue aux enjeux de décarbonation des industriels, qui sont de plus en plus contraints de manière volontaire ou de manière forcée, hein. Parfois, on en rencontre certains, c'est mon client souhaite que, des fois, c'est ma maison mère souhaite que, des fois, c'est eux-mêmes en direct, et puis des fois, c'est la réglementation qui les oblige à. Donc en fait, d'avoir de la chaleur décarbonée à un coût compétitif, et qui évite qu'un outil anti-crise, pour donner un exemple très clairement, l'industriel avec lequel on travaille, Blue Paper, un des industriels, parce qu'il y a dorénavant, il y en a beaucoup plus que ça, on les citera tout à l'heure, un des industriels avec lesquels on travaille avait fait le choix de se décarboner et de s'interfacer à notre réseau de chaleur il y a de ça quelques années, avant le Covid, avant la crise, donc c'était début 2020, voilà. Et en fait, la crise, il l'a très très bien vécu parce qu'il était en quasi-autonomie au niveau de son approvisionnement énergétique. Là où beaucoup de ses confrères papetiers ont ou réduit leur activité, perdu des parts de marché ou pour certains fermé, lui, il a eu une activité croissante. Il a racheté bah, certains de ses concurrents qui fermaient, de par le fait où sur le simple aspect énergétique, mais qui pèse la majorité de ses charges dans son fonctionnement, il a réussi à avoir un coup d'avance sur l'ensemble de ses concurrents et de ne pas subir la crise au niveau des envolées du prix du gaz, au niveau des envolées du prix de l'électricité comme les autres l'ont subi. Donc en fait, voilà, c'est un vrai outil anti-crise, un vrai outil de compétitivité, et puis une nouvelle fois, ça ouvre à la décarbonation aussi bien de son activité que du territoire. Et puis pour les sites tertiaires, ça a aussi un impact sur le décret tertiaire, parce que ça permet de réduire en fait les consommations du site. Et sur les résidentiels, ça permet d'accéder également à une TVA taux réduite. Donc, chose que ne sont pas concernées les activités industrielles. Et voilà, il y a énormément d'intérêt, quels que soient les secteurs, tertiaires, résidentiels, industriels, à venir se raccorder à un réseau de chaleur décarboné, notamment quand ils valorisent de la chaleur de récupération industrielle. Après, comprenez-moi bien, ce n'est pas la solution ultime à tous les sujets.
C'est-à-dire que très clairement, il y a des moments ou des endroits où la densité énergétique, l'éloignement, les niveaux de température ou tout autre contexte technique ou économique fait que le réseau de chaleur n'est peut-être pas la solution appropriée à l'alimentation de tel ou tel site. Mais par contre, ça s'étudie, ça se regarde, et puis nous, bah, de toute manière complètement objective, hein, oui, ça fait du sens, non, ça fait pas de sens. On traite les sujets, on va dire, et puis une nouvelle fois, bah, des fois malheureusement, ce n'est pas opportun, et puis des fois au contraire, c'est tout à fait approprié. Pour faire une petite synthèse, une nouvelle fois sur ce projet d'interconnexion, avant de passer à la slide un petit peu plus conclusive, là-dessus, on en est à date à plus de 100 gigawattheures valorisées sur le site du papetier Blue Paper, sachant qu'à terme, sur la totalité du port autonome de Strasbourg, on vise quasiment 400 gigawattheures de récupérer et de valoriser. Donc, on est vraiment sur des équipements et des installations conséquentes en termes de transition énergétique. L'investissement, là où il est à date de quasiment 27 millions d'euros, avec notamment 11 millions d'euros d'aide du Fonds Chaleur ADEME, à terme, on sera peut-être probablement aux alentours de 60-70 millions d'euros investis pour justement cette transition énergétique du territoire. L'interconnexion, on en parlait. Je laisse peut-être Maxime présenter cette slide-là. Je pense que vous voyez pas forcément grand-chose, mais sur la slide de gauche, c'est on revoit le plan du Wacken. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, au moment où on a lancé la réalisation du projet du paper, enfin même en 2020, qui a été livré en 2021, donc en moins d'un an, on a finalement interconnecté le réseau du Wacken qu'on a présenté avant, le réseau SPL de Rives qui est au milieu de la carte et l'industriel du paper. Donc à date, on part de l'industriel du paper, on alimente au niveau de la zone centrale du port tous les logements sociaux, les Les bâtiments industriels. tertiaires, les industriels. On remonte jusqu'au Cajaputo où on a construit, là il vient d'être livré un hub qu'on appelle le hub du Cajaputo, qui nous permet en fait d'être un peu le cœur de réseau qui reçoit les énergies fatales et les distribue vers d'autres réseaux. Et on est en train de mettre en service là depuis quelques semaines un deuxième site de récupération d'énergie fatale chez l'industriel Trévi, du groupe Séché qui est situé au nord du port autonome, qui fait de l'incinération de déchets hospitaliers ou déchets dangereux. Et donc là, on récupère sur des fours directement la chaleur de récupération. Pareil, on est sur un niveau de 50 gigawattheures dans un premier temps qui pourront monter jusqu'à 70, voire 120 gigawattheures si on valorise la chaleur un peu plus basse température dans un deuxième temps. Et puis un troisième site qui rejoint l'aventure prochainement, c'est également la station d'épuration de Strasbourg qui est 4 km plus haut que le site de Trédi et qui va permettre d'alimenter sur une vingtaine de gigawattheures potentiellement tous les réseaux de chaleur urbains de Strasbourg en complément de ce qui est déjà existant. Et il y a d'autres sites, une nouvelle fois, avec lesquels on est en phase d'études et de discussions sur le phasage des projets qui viendront rejoindre l'aventure prochainement. Je rappelle le chiffre, l'objectif est de 400 gigawattheures dans les 4 à 5 années qui viennent de valorisation de chaleur de récupération au niveau du territoire. Dernière slide en synthèse avant de passer aux questions. Globalement, développement important à venir, participation à la transition énergétique et au développement du territoire. L'objectif pour la majorité des sites industriels, pour la majorité des collectivités, c'est de tendre vers le 100% d'énergie renouvelable et de récupération à 2050. Voire certains ont des objectifs, notamment dans l'agroalimentaire ou d'autres secteurs, plus ambitieux que ça en termes de temporalité. On est sur des projets qui sont évolutifs dans leur conception. Vous avez bien compris qu'on n'a pas toujours la solution qui répond à la vision à terme tout de suite, de par la nécessité d'avoir des réflexions dans le temps, et puis également de par l'évolution des contextes et le temps nécessaire à la mise en œuvre des différentes solutions. Donc on se doit d'avoir des solutions qui sont conçues pour pouvoir s'adapter dans le temps à une grande partie des cas de figure. Et nos ingénieurs conçoivent justement ces installations pour être évolutives. Un réseau de chaleur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une infrastructure. Si à terme, vous deviez avoir une évolution sur le type de production, alors je dis des options, hein, majorité production d'hydrogène, majorité production de chaleur de récupération, du solaire avec thermique, avec stockage ou autre, en fait, il suffit, entre guillemets, de changer le point d'entrée que vous avez en bout de réseau pour continuer à alimenter tous vos usagers par une autre source d'énergie renouvelable. Donc par rapport à ça, c'est vraiment une infrastructure structurante, la pose d'un réseau de chaleur. Projet de stockage énergétique, on voit un des sujets, c'est notamment quand on récupère de la chaleur sur des sites industriels qui produisent de manière relativement linéaire toute l'année, on a des usages qui sont en grande partie derrière climatique. Il faut arriver à rephaser ça, notamment en potentiellement stockant la chaleur excédentaire en partie estivale pour la déstocker en partie hivernale. Donc on a beaucoup de projets de recherche et de mise en œuvre industrielle sur du stockage énergétique
qui est un des vrais enjeux d'avenir de la transition énergétique. Usage de l'intelligence artificielle, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Au bout d'un moment, quand vous avez 10, 15 sites de production, que vous avez des centaines de sites usagés, que vous avez différents réseaux interfacés avec des pressions, des températures différentes pour les uns pour les autres, on en arrive un petit peu en limite de ce qu'on est en capacité de piloter l'humain. Donc on a besoin également de solutions d'intelligence artificielle pour venir optimiser les choses. C'est jamais l'intelligence artificielle qui prend les décisions. Par contre, elle nous permet de donner des voies d'orientation, même si c'est systématiquement l'humain qui, in fine, prend la décision, oui ou non, d'adapter les installations. Digitalisation et optimisation du pilotage du réseau, ben c'est un petit peu en lien, hein. On vous a donné des exemples, tout à l'heure. On n'est plus du tout sur du pilotage comme il y a 10, 15 ou 20 ans. C'est du temps réel, c'est de l'interfaçage avec tous les outils de communication, tant pour les opérateurs que pour les usagers, accès aux données, de consommation et de pilotage des sites en temps réel, ce qui permet vraiment d'avoir une efficacité et une efficience, largement optimisées par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a de ça quelques années. Donc dans les présentations qu'on vous fera suivre, il y a également bah, une quinzaine d'autres exemples de réseaux de diverses technologies. On ne va pas du tout rentrer dedans aujourd'hui. Ça va de l'écoquartier de 100 à 200 logements jusqu'à l'alimentation de sites industriels de centaines de gigawattheures. À l'heure actuelle, on travaille également avec l'agglomération mulhousienne pour développer un projet de récupération de chaleur sur des industriels chimiques de la bande rhénane sur plusieurs centaines de gigawattheures pour alimenter le centre de l'agglomération mulhousienne. Donc on a créé une société d'économie mixte avec la M2A dans ce cadre-là. Voilà, on a des projets de récupération de chaleur fatale également et de valorisation de cette chaleur auprès d'autres industriels, mais sous accord de confidentialité, donc je ne pourrais pas forcément en parler aujourd'hui. Mais je vous propose peut-être d'en arrêter là au niveau de la présentation théorique pour rentrer un petit peu dans les questions-réponses. Merci beaucoup, Monsieur Boyer, Monsieur Hoogst, pour toutes ces informations. Voilà. Donc, petit temps d'échange sur les différentes questions qui ont pu avoir lieu sur ce webinaire. Alors, hop là, je vais juste ici enlever cet écran. Et donc, on va essayer de les reprendre dans l'ordre. Quels sont les principaux industriels? À vos réseaux de chaleur, vous y avez Condé, je déjà. suppose. Oui. Donc en fait, on a des industriels qui sont producteurs, des industriels qui sont consommateurs, voire des fois on a les deux. C'est-à-dire que sur certains niveaux de température, des industriels consomment et puis ils exportent à d'autres niveaux de température. Donc les principaux producteurs qu'on peut citer à date, c'est notamment, bah, Maxime en a parlé, Trevi, c'est notamment Blue Paper, c'est notamment la station d'épuration. En consommateur, on peut citer notamment bah, les malteries du groupe Soufflet. On travaille également avec, alors on ne va pas citer de noms, mais on peut citer des domaines d'activité, des data centers. On travaille également avec différents usagers de production automobile sur la partie plus mulhousienne. Et sur la partie mulhousienne, c'est des gros, je ne peux pas citer de noms non plus, mais c'est des gros chimistes, des gros sites chimiques en fait, avec lesquels on travaille. Et également avec des opérateurs de production de vitres. Donc voilà. Je ne peux pas toujours citer les noms, puisqu'une nouvelle fois, on est en accord de confidentialité avec la plupart d'entre eux. Mais voilà, vous verrez notamment bah, très prochainement par voie de presse émerger petit à petit certaines de nos activités dans ce cadre-là, une fois que les industriels voudront bien rendre public ces actions. Ces informations. Merci à vous. Est-ce que ce projet peut aussi desservir des copropriétés particuliers? Vous Oui, l'avez évoqué. tout à Oui. fait, avec un fort intérêt au niveau maîtrise des charges de copropriété et accès également à une TVA réduite. Au lieu d'avoir 20%, c'est 5,5% sur toute la facture énergétique quand on est raccordé à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% en chaleur renouvelable ou de récupération. Sur les consommations, là, sur la question suivante, il n'y Ouais, a pas vraiment de seuil minimum. je reprends juste la question. Du Oui. coup, ouais, effectivement, est-ce qu'il y a des seuils minimums donc pour que ce soit rentable pour l'entreprise, enfin, pour vous en l'occurrence? Bah, pour nous, en fait, c'est plus un couple distance et consommation du client. Un client qui est collé au réseau, qui sollicite un raccordement et qui consomme peu, va vite avoir un intérêt financier. Par contre, un client qui a à 500 ou 600 mètres du réseau et qui consomme très peu, en fait, la rentabilité, elle va être très difficile à atteindre. Mais en termes de seuil, quand on parle de logement, on est autour de 15-20 logements à partir desquels ça devient intéressant. Et sur des industriels, en général, ils consomment suffisamment pour être tout de suite intéressés par un raccordement. J'en profite pour une autre question qui est apparue, c'est est-ce que je peux couvrir 100% de mes besoins avec le réseau de chaleur en Oui, tant tout à fait qu'industriel? raisonnable.
C'est possible, en fait. Il faut juste vérifier, ce qu'on disait, l'adéquation entre les besoins de l'industriel, le gisement qu'on a. Si l'industriel est beaucoup plus gros que le gisement qu'on a ou que nous, le gisement résiduel n'est pas suffisant, bah, évidemment, on ne pourra pas l'alimenter. Et d'un autre côté, si lui, il a des besoins à trop haute température et que nous, le réseau est trop bas en température, on va dire, donc si nous, on alimente du 95 degrés et lui du 120 avant, comme je disais, bah, là, on pourra lui faire qu'une bande de ses besoins. On va dire que 95% des clients sont alimentés à 100% par le réseau de chaleur. C'est vraiment quasiment des épiphonomènes qui sont alimentés en bandeau pour des conditions un peu spécifiques, techniques, Du coup, comme le précisait Maxime. OK. Merci à vous. Autre question. Donc, est-ce que, à date, intégrer un plan de production d'un industriel donné du PAS, exemple Blue Paper, pour prévoir ou anticiper la chaleur injectable sur le réseau de chaleur? Oui, bah tout à fait. Nous, une nouvelle fois, on travaille à des pas de temps. On est assez projeté dans l'avenir, puisque, comme on l'a dit, c'est des solutions qui s'anticipent en termes aussi bien de production que d'exutoire et également bah, de réalisation de travaux et de financement. Donc, très clairement, on essaye d'anticiper systématiquement bah, le futur. On travaille avec des industriels qui ont vocation à créer des sites d'ici 4, 5, 6 ans. Et donc, par rapport à ça, ils nous questionnent, est-ce que si j'ai de la chaleur résiduelle, je pourrais vous alimenter? Est-ce qu'à l'inverse, si j'ai des besoins, je pourrais me pluguer sur un de vos réseaux? Donc oui, très clairement, on anticipe et on travaille en amont avec énormément d'industriels pour pouvoir, tout ce qui est anticipé est globalement mieux conçu, mieux phasé et on arrive mieux à l'intégrer. Donc oui, l'anticipation, c'est super quand on y arrive. Et en termes d'anticipation, voilà, il y a un industriel, par exemple, qui aura besoin de vous probablement, puisqu'il demande, enfin, voilà, il y a un besoin en tout cas de récupération de chaleur fatale de nos fermenteurs via des packs. Oui. Et la question, c'est comment, du coup, vous contacter? Est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce que les industriels peuvent vous contacter rapidement On est déjà en contact avec ces avec personnes-là, donc on peut se recontacter sans problème. D'accord. Et les autres entreprises, du coup, qui souhaiteraient aborder ce sujet avec vous, est-ce qu'elles vous contactent directement? Bon, ils Oui. peuvent nous contacter par nos contacts qui sont en présentation ou par l'intermédiaire du port autonome si c'est des industriels du port ou par la M2A si c'est Par la industriel du CCI, port. notre présentation, vous aurez nos coordonnées. Donc n'hésitez pas, que ce soit Maxime ou moi-même, à nous contacter pour avoir bah, des fois des réponses un peu plus détaillées à vos questions. Je suis désolé, mais c'est vrai que le temps est un petit peu compté, donc on va un petit peu vite. Mais quand il s'agit d'étudier, chaque cas est spécifique et on est tout à fait en capacité de prendre le temps de vous apporter des réponses sur mesure et de creuser chaque spécificité que vous pouvez rencontrer. Ben super, ben merci pour toutes ces réponses. Juste encore, il nous reste à peu près 2 minutes, quelques informations avant de terminer ce webinaire. Hop là. On aura un autre webinaire présenté par ma collègue Lucie Villemain, donc conseillère en énergie industrie, qui gère entre autres les visites énergie sur site, le 11 juin 2024 à 9 h sur le thème de la géothermie. Donc n'hésitez pas à se rapprocher de nous et à suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'on est très présent aussi sur LinkedIn par exemple, pour vous inscrire directement. Ce que je souhaitais compléter Oui? également, on est tout à fait en capacité, les installations dont on vient de vous présenter les caractéristiques à date, de vous les faire visiter. Donc on ne fera peut-être pas du coup par coup à chaque fois une présentation individuelle, mais si on a plusieurs demandes, on essaiera de coordonner tout ça et on peut tout à fait faire visiter aussi bien la centrale du Vaken que les sites d'interconnexion du quai Jacutto qu'a cité Maxime, que les sites de récupération de chaleur industrielle, dans la limite bien sûr de ce qui n'est pas couvert par accord de confidentialité, mais on le fait régulièrement. On organise régulièrement ce type de visite-là, donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter la CCI qui nous mettra en contact et puis on pourra organiser ce type de visite-là. Super. D'ailleurs, on participe aux journées portes ouvertes de l'ADEME Climaction sur les énergies renouvelables en mai, notamment pour bah, le hub du Cajacuto dont on parlait, et également une chaufferie aux tanneries, une chaufferie biomasse. À Niguel. Impeccable. Donc, rendez-vous à prendre pour nos industriels. Et dernière information concernant bah, la CCI, on anime un club énergie. Donc, un club énergie, en quelques mots, c'est une réunion entre différents référents énergie donc, qui font partie des industries du Grand Est. Et on se réunit régulièrement pour faire des visites au sein d'entreprises, d'industriels, pour regarder un petit peu et analyser les retours d'expérience sur des solutions qui peuvent être inspirantes. En l'occurrence, le 11 avril à 14 h, on sera chez Carola, donc à Ribeauvillé. N'hésitez pas, il reste quelques places. C'est vraiment hyper, hyper intéressant et enrichissant. Donc, vous aurez le lien d'inscription en bas de la slide. Donc, n'hésitez surtout pas
à vous inscrire, donc le jeudi prochain à 14h. Voilà, petit mot de fin, il nous reste, on est tout pile, terminé. Donc merci, merci beaucoup, merci à Merci vous, à vous, merci de votre écoute. merci de votre écoute et puis merci de vos participations sur les différentes questions. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.